Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de l'avant et de savoir attendre. Et si le temps de l'avant venait renouveler l'espérance en nous? Non pas un optimisme facile qui ferme les yeux sur la réalité, mais cette espérance forte qui jette l'ancre en Dieu et qui permet de vivre pleinement dans l'aujourd'hui. L'année chrétienne commence par l'avant, le temps de l'attente. Pourquoi? Pour nous révéler à nous-mêmes l'aspiration qui nous habite et pour la creuser, le désir d'un absolu vers lequel chacun tend de tout son être, corps, âme, intelligence, la soif d'amour qui brûle en chacun, du nourrisson jusqu'à la personne âgée, et que même l'intimité humaine la plus grande ne peut pas entièrement apaiser. Cette attente, nous la ressentons souvent comme un manque ou un vide difficile à assumer. Mais loin d'être une anomalie, elle fait partie de notre personne. Elle est un don, elle nous conduit à nous ouvrir nous-mêmes, elle oriente toute notre personne vers Dieu. Osons croire que le vide peut être habité par Dieu et que déjà nous pouvons vivre l'attente avec joie. Cette méditation est inspirée du frère Aloïs de la communauté de Thésée. Bonne journée!